Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Après, je peux éventuellement laisser les ennemis de mes ennemis défoncer les parts. Donc, tu la fais pas, je suppose. Ouais, pour ça. Un peu la flemme. C'est bon, je perds pas ma cavalerie, c'est ce que j'avais peur. Mais là, je la perds pas du tout. On va faire quelques esclaves. Et. Hein? Ah ouais, ils essaient de lever le blocus. J'avais un blocus. T'as une flotte. Ouais, je viens de voir ça, je l'avais pas vu. Je me disais justement qu'il fallait que je ramène la flotte là qui est en mer, là, vers au nord de l'Epsis. J'avais pas vu que j'avais déjà la fierté des déterres. Hop, et puis on va occuper tranquillou. Les eaux sont calmes aujourd'hui. Et effectivement, les eaux sont calmes aujourd'hui, Bérénice. Hop là, et on a l'entièreté de l'Africa, la province Africa. Un espion. Ils sont dans la merde. Ah bah oui, de fou. Ils ont plus Arignum. Ah, il y a les Nori qui sont sur leur tronche. Rome a été pillée, j'ai l'impression. Ou alors il y a eu un incendie, au choix. Ils ont un petit problème de famine. Voilà. Ah oui, oui, purée. Alors, est-ce que c'est le cas aussi là? Ah oui, ils ont l'air d'avoir un gros problème de famine, ouais. Oh, purée. Faut regarder en Corsica et Sardaigne s'ils ont le même souci. Hop. Parce que dans cette partie-là, Rome est un peu naze. D'habitude, elle est un peu plus forte, je trouve, elle s'étend facilement. Bah ouais, mais là. Elle a du mal. Peut-être trop de pression de la part des peuples gaulois ou des Celtes, je veux dire. Sans doute, oui. Alors, j'ai débloqué une techno, c'est quoi que j'ai débloqué? Avancée architecturale, des nouveaux bâtiments. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai pu améliorer là. Ah ouais, mais là ça va me faire plein de constructions. Ah, la production de bouffe, elle va être. Bah là 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 là. Tac! C'est parti, mon kiki. Ah ouais! Alors! Ça va coûter. Ça va coûter cher. Hein. Ouais, je vais les laisser en siège, en vrai, hein, ils perdent. Oui, t'as raison. L'unité. Moi aussi un tout petit peu, mais j'ai une deuxième armée à côté. Trois tours, Non, là, c'est surtout que je peux améliorer toutes les villes et villages. Et ça me coûte une blinde. L'or du pharaon ne suffit pas pour tout améliorer en un tour. Ah, je comprends, mais t'as vu aussi la taille de ton territoire, c'est normal. Ouais, c'est vrai que... En vrai, il est étendu. Après, ça fait combien au niveau de province? Je pense qu'on est à peu près kiff-kiff. Hein. En termes de province? Ouais, c'est juste que tes provinces, elles sont plus petites en surface. Attends, j'ai compté le nombre de villes que tu as. Attends, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je compte 26. Alors là, j'ai compté juste l'Afrique. Hein. Ouais. Ah, quand même. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bah on a compté pareil. Comme on a compté pareil, je pense que ça doit bien être ça. Et
Et moi, je sais pas combien j'en ai au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est plus dur à compter 11, pour les 12, tiens. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Carmen? 22. On est 22 ou 23, ça dépend. Peut-être que j'ai oublié une ville. Ah, tu vois, hein, on n'a pas beaucoup de différence, mine de rien. On a un tout petit peu plus que moi. J'en ai 4 de plus, mais je pense ce qui prend beaucoup de place, c'est les provinces d'Arabia Magna et d'Arabia Felix. Ouais, ça c'est sûr. Parce qu'en vrai, tu retires déjà ça et. Et ça nous fait à peu près l'égalité. Hein. C'est juste que c'est énorme en termes de surface. Que toi tu regardes par exemple en Syria, c'est un mouchoir de poche, tu vois, par rapport à genre ta Syria complète, c'est la taille d'une de mes provinces, genre Guéra, quoi, en surface. Ouais, je sais pas. Ce que tu veux dire. Alors en richesse tu m'exploses, mais en surface c'est énorme, quoi. Donc c'est surtout ça. Ok, bah moi je crois que je suis bon pour mon tour. Oh la vache, mais attends, je gagne plus beaucoup d'or, moi. Tu gagnes combien? Je suis à peine à 9002. Oh, excusez-nous, monsieur. Ouais, non mais... Il est possible qu'il y a quelques tours, je tournais plus autour des 15 000, 20 000, quoi. Ah, mais attendez, je gagne que 10 000 par tour. Ouais, c'est... Enfin, c'est... Je suis pauvre, t'as vu. Ah, les Romains, ils ont fait une alliance avec un peuple espagnol. Ah tiens, j'ai pas regardé. Ah, t'as bien fait de me le dire. À qui? Les Turcs d'Étanie. Ah, les Turcs d'Étan. Ouais. Ah, mon jeu est en anglais. Ouais, oh. On fait la traduction, y a pas de souci. Ouais. Ouais, essaye de bien se faire voir, à mon avis... Comme ils sont en train de se taper contre Carthage, que Carthage est mal vu des majorités des peuples hispaniques. Ça fait qu'il se fait des petits alliés. À la frontière de Sinope, il y a un nouvel arrivant. Nouveau voisin! Ah non, c'est pas ça. Sinope, Sinope, Sinope. Ils font du commerce avec les Arverns. Ils sont. Ah ouais? Ils veulent pas. Merde, Sinope, je l'ai perdu, Sinope. Bah alors. N'attends pas ce point-là. Ah. Bon. Merde, c'est avec les Gaulois. Non, ils veulent pas, putain. Ouais, ils sont pas très... Ils sont pas très gentils par moment pour commercer. Ce qu'ils connaissent de toute façon, c'est la guerre. Voilà. Ils font de la belle orfèvrerie. Ils travaillent bien les métaux, on va dire. L'orfèvrerie de guerre. Ouais, aussi, ouais. Alors, attends. Là, il y a une armée parte à ma frontière, ça me fait pas plaisir. Regardez-moi ce beau morceau de métal. À qui je m'entends pas des masses. C'est vrai qu'Aria, il y a un monde dans lequel ils te la mettent à l'envers. Je pense que je vais faire comme Israël, je vais faire une attaque préventive. Après, finissons peut-être avec les Parthes avant si t'as le choix. Je crois qu'ils sont en guerre contre les Parthes aussi. Ah non, ils sont alliés aux Parthes, donc c'est l'allié de mon ennemi. Ah, ils sont alliés. Ah oui, bon. Écoute, c'est une bonne raison de leur taper dessus. Hein. Je vais leur taper dans le fondement, moi, on va voir. Je regarde un peu, j'ai deux armées au Moyen-Orient.
me faire une petite auberge parce que je manque de nourriture. Je vais essayer de limiter les améliorations de bâtiments là qui coûtent de la bouffe. C'est vrai que là. Je pense que je vais aller taper sur comment ils s'appellent les Cimériens. Pour récupérer le bois. Ouais, d'une part, et aussi pour récupérer un bout de territoire dans le coin, quoi. En Bithynie. Oh, attends, ah, j'ai une armée de Pessinus. Je pense que je vais attaquer avec mes deux armées. Attention, il est aussi présent en Bosphore. Ouais, je sais, mais c'est assez éloigné, tu vois. Et en Et puis comme Caucase. généralement, ils sont en guerre contre le pont, contre les peuples nomades, contre les peuples du Caucase, je vais en profiter pour récupérer ça avant que ce soit le pont qui récupère la ville. Faut être opportuniste dans la vie. Hein. Ah oui, bien vu. Ouais. J'ai une troisième armée au Moyen-Orient, ce serait pas du luxe. Ah, je peux pas, putain, j'ai passé d'Imperium. Triste. Je vais piquer de la nourriture à Suze. Voilà. Ah, attends, je peux faire un truc avant de passer mon tour. Ah oui, c'est mon diplomate. Je vais lui mettre un point. Je vais lui mettre. Greedy. Bon, 25, plus 25% d'or volé qu'on déploie en territoire ennemi. Généreux. C'est la richesse, ça, je Sympa reconnais. public. 4% d'entretien dans les armées apparentées. 4% de recherche à lui déployer. Ah, ça c'est cool ça. Voilà. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Carthage Un là. traité de paix avec les Parthes. Et ta client? Combien il serait prêt à me donner? Attends. Ouais, et ta client, t'as une Ah. satrapie? Non, ils veulent pas. Ah, dommage. Bah, tant pis. C'était la Ils ont pas condition pris sine assez qua de non. roost. Tu as mis une base sur une joue, il faut mettre la base sur l'autre maintenant. De toute façon, je peux pas faire la paix avec eux parce que sinon, où est-ce que je vais m'étendre? Oh, tu peux le nord. Ouais, mais le jeu s'appelle Total War, la guerre totale. Hein. Ce sera la guerre. Il y a Roth qui me demande de faire un pacte de non-agression. Ah, sur la petite île là. Je leur ai proposé qu'ils me donnent de l'argent en échange. Parfait, ils ont accepté. Ah, ils ont pas trop le choix. Ok. Bah, en même temps, c'est David contre Goliath, j'ai envie de te dire. Oui, bon. C'est le colosse face à. Putain, j'ai plus d'argent. Et Carthage qui s'est étendue au sud là, en Algérie, dans le Ouais, désert. l'après-midi midi, ça me va. Je vais faire mes premiers pas en Tu vas en Sicile et en Sicile? Sardaigne. Et ouais. On va aller regarder un coup à Syracuse. Dans 10 tours, le mec il sera en Italie. Dans 10 tours. Oh, un peu moins longtemps, j'espère. Regarde là. La Sicile entière, elle est. Mais réveillez-vous les Romains. Toute la Sicile. C'est pas que je souhaite ta défaite contre les Romains, mais qu'il y a un peu de divertissement, quoi.
Ah, les Romains. J'ai cliqué sur le mauvais bouton, j'ai fui. Ah, les Romains, je crois qu'ils sont en mauvaise posture là. Oui, je vois ça. Ah, oui, non, mais là, si je passe par là, ça va me prendre 20 ans. Ouais, bon, on va faire ça. Tiens, hop, ouit. Tac. Et. La mère m'appelle. Elle va répondre à mon maman. Je vais prendre cette ville. Comme ça, hop, je prends ça. Éventuellement, après, je fonce prendre cette ville. Oh, je sais, je vais envoyer un diplomate chez les Romains. Il faut que je la prenne celle-là, que je les entoure en fait. Mais ils sont où, Rome? Je peux pas les envoyer chez les Romains? Là. Ah, tu vois les petits traits que je mets sur la carte là, je suis en carte tactique. Attends, ouais, non, là je suis sur le, je suis dans le menu de dynastie parce que j'essaie d'envoyer les Romains, mais je crois qu'on peut pas envoyer de diplomate chez quelqu'un. En fait, les Romains, bah, ils ont à moitié la province de Magna Graecia. Je t'ai envoyé. Et ils ont même pas la province d'Italie en au complet, ces noobs. Mm. Ouais, Patavium. C'est honteux. C'est Nori, ça, qui... C'est bon. Je veux voir un truc. Oui, mais regarde contre qui ils sont en guerre. J'avais pas vu. Contre qui? Contre tout le monde, c'est ça? Bah... Je peux pas voir, là, j'ai pas accès au menu diplomatie. Les Nori, les Rètes, Chypre, les Helvètes, l'Égypte, Carthage, Athènes et Sparte. Ouais, putain. Ah, ils ont un peu tout le monde sur leur tronche. Une coalition. Ouais. Ah ouais, là, et puis une belle coalition, franchement. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant, en fait, tu vois. Hop, tiens, on a passé les colosses de Rhodes avec un espion, là. Ah, Caturba. J'ai pas un autre espion? Ah bah oui, merde, il doit être arrivé. C'est à moi de jouer. Du coup. Hop là. Ouais, effectivement, il y a du monde. Ah, il y a les pontes qui arrivent à sinoper. On sait ce qu'ils veulent. Hein. Alors, ça, c'est non. Je vais récupérer la ville d'Aria. De toute façon, un jour ou l'autre, ils m'attaqueront. Voilà. J'ai l'écran de guerre qui est bloqué. C'est non, c'est à moi parce qu'en fait, je suis obligé de t'aider. Ah, ok. J'ai laissé des troupes, j'espère, là. Ouais, j'ai... Facile. Hop. J'ai une armée qui est là-bas, c'est bon. Comme papa dans maman. Ouais, y a pas grand-chose. Ah bah, il meurt deux fois, en plus. On va régler la situation de famine. Le peuple m'a demandé à l'aide pour régler la famine. Alors j'ai répondu à leur appel. Alors je crois que tu vas avoir une famine là. Comme tu viens de prendre la ville. En vrai, non, ça va. Ça passe ? J'ai une nouvelle nourriture. Ah bah ça passe. Je pensais que... Ouais. Alors attends. Aria, ouais, ils ont 3 villes au total. Après, c'était peut-être un peu de ma faute, je leur vole la nourriture. Oui, oh. Oh, ça c'est un détail. Hein. En effet. Alors voyons voir, Sinop. Ah, oui, ils ont pas beaucoup de troupes sur place, les Cimériens. Ils ont quoi? Ils ont une petite armée, une garnison. Et qui sont alliés, les mecs. Je m'entends pas des masses avec eux, en plus. Bah, ils ont pas d'alliés, c'est parfait. C'est l'occasion. Peut-être que les mecs du pont vont m'aider, va savoir. Il y a un monde... Oh, oui, je suis obligé de t'aider aussi. Chier. Pauvre job. C'était pas prévu, ça. Ah bah, j'ai mes renforts.
Ouais, tu me diras, t'es pas loin, c'est vrai. Ah, mais en fait, ils ont une armée de 5 unités. Là, je fais l'affaire en réseau auto et gagner les doigts dans le nez. Ah ouais. Don du mercenaire. L'opportunisme. Je prends la ville sous le nez du pont. En plus, ça te fait du bois, hein. C'est vraiment. Ouais, en effet. Un bon truc. Ah, le bâtiment est au niveau 3, là, ça régale. Il y a 3 bâtiments économiques pour l'agriculture. Ça régale. Et en vrai, est-ce que j'ai un espion là au pont? Faut que je recrute un espion. Je pense que je vais peut-être pas tarder à leur déclarer la guerre. Voilà, tu dois bien t'entendre avec eux. Maintenant. Tant que t'as tapé le Cimérien. Ah mais je crois qu'ils sont alliés aux Arméniens. C'est le problème. Ah c'est possible. Je dois me taper avec les Arméniens en même temps. Ah, je fais du commerce avec eux. C'est ça ouais. Le problème. Et puis là, ça rajoute quand même pas mal de troupes aussi. Et c'est vrai que je suis très ami avec le pont, du coup. On s'entend plutôt bien, je fais du commerce avec eux. Donc, je vais pas les attaquer maintenant. Ah, les Nori, ils seraient prêts à faire du commerce. Je pense qu'il faut que je leur graisse la patte un peu. Je leur donne un peu d'or. Ah non, je refuse. Par contre, je te préviens, moi, les Nori, s'ils me bloquent... S'ils me bloquent ma prise de l'Italia, avec moi, donc, j'avance. Hein. Je t'autorise, tu peux les raser de la carte. Ils veulent pas commercer, allez hop. C'est scandaleux. C'est honteux. Je regarde un peu, est-ce que je peux améliorer? Ah tiens, je suis amélioré, je t'arrax, parfait, ça va me faire de la bouffe. Ah oui, bah oui, c'est clair que là, avec toutes les provinces à côté vont se prendre leur petit bonus là, ça te met bien. Hein. Province de Suse, Persépolis, je sais pas, c'est le site Tigre, ouais. Au moins 2. Ah, Persépolis, non, c'est un pouille à loin. Il y a une armée part qui campe à la frontière de Prada, là, ça me plaît pas. Là, je vais foncer sur Sugia. Ah, ils sont nombreux en plus. J'ai envoyé mon espion à Merve. On va voir s'ils ont des troupes les part. Parce qu'à ce moment-là, je peux prendre leur ville les deux dans le nez. Ils ont une grosse armée dans le sud du Moyen-Orient, mais au nord, on dirait qu'il n'y a personne. Ouais, puis de toute façon, t'as les Roxelans qui ont avancé. Ouais. Ah ouais, les Roxelans, ils ont pris Marakanda aussi. Et ils font le siège de Bactria, de Bactra. Ah ouais, sérieux? Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont déjà rasé Eucratidia. Ah non, il est juste en travaux. Ah, on sait pas. Ah ouais, les Roxelans, ils avancent bien là-bas. C'est les un blond avant l'heure. Ouais, c'est clair. Oh pardon. Oh, je suis désolé, c'était pas prévu. Oh, je suis désolé. Qu'as-tu fait? Ah, je savais pas que c'était possible. Je viens de te faire très mal. Ouais. Mais alors... Ouais. Merde. Oh, je savais pas que c'était possible. Oh, merde. En plus, on a même pas moyen de revenir dessus. Attends, mais tu me fais peur. Là. C'est moi, je vois mon empire comme il est autour d'avant. Ah non, bah non. Ah non, ton empire, il est pas comme il est autour d'avant. C'est quoi ces conneries?
Oh merde! Mais explique! Ah, regarde ta carte, hein! Regarde bien ta carte, regarde bien tes villes! Mais là, je te jure que mes villes, elles ont pas bougé d'un pète. T'es sûr? Bah, je t'assure que oui. Regarde ta capitale. Bah quoi? Attends. Pourquoi t'as... What the fuck? Tyr. Je suis désolé, c'était pas prévu. Pourquoi t'as récupéré Tyr? Bah en fait... Tu sais, je t'avais dit la dernière fois, quand on voit des diplomates chez tes satrapies, il y a un monde, une probabilité, environ 1/10, que tu récupères ces provinces. Bah dis donc, apparemment, je t'ai récupéré ta province avec ça. Mais je suis pas ta satrapie. Bah ouais. Bah apparemment, c'est pas que les satrapies. Oh merde! Donc attends, on récapitule. T'as envoyé un diplomate chez moi. Et ouais, bah tu sais, comme je faisais depuis le début de la partie. Tu t'es dit, ah ouais, hein, franchement, t'es un bon ami, le pharaon, tiens, récupère Tyr. C'est ça, en gros. Bah ouais, je crois. Oh putain, je suis désolé. Mais premier degré, je pensais vraiment pas que ça allait se faire. Attends, je vais voir si on peut par échange, si je peux te la renvoyer. Mais je crois pas. Je suis pas sûr. Oh putain. Sinon, je la récupère militairement et on se fait la paix. Mais on peut pas se déclarer la guerre. Ah bon? Non. C'est bien ça le problème. Ah, on peut pas? Ou sinon, on déstabilise la province, enfin la ville, et je la récupère. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire, mais alors pour la déstabiliser... comment ouais, je... T'inquiète, j'envoie une armée pillée... Ouais, essaye. Je vais faire moi tout ce que je peux qui retire de l'ordre public. C'est-à-dire, je vais faire un marché aux poissons, je vais démolir ça, parce que ça fait l'inverse, ça donne de l'ordre public. Il faut que je fasse tout ce qui fait du désordre public. Ça, je vais pas l'améliorer, parce que sinon, ça fera de l'ordre public. Oh, putain, c'était... Je suis désolé. C'est des choses qui arrivent. Ouais, surtout, c'est ton... En fait, ce qui va être chiant, c'est ton édit. Je suppose que t'avais un édit. Ouais, bah du coup, au revoir, Lady. Merde. C'est un truc quand même très peu probable, ça. Alors, c'est à la fois drôle et à la fois gênant. Tu sais, ça, entre les deux, c'est une situation où ça fait rigoler, mais tu sais que t'es pas censé rigoler. Ouais, je vois. Oh, merde. Ça a l'air nerveux, quoi. Ouais, ça a un peu... Oh, merde, putain, mais attends, mais c'est une dinguerie, ça. Il y a des rebelles puniques à Lilibom, tiens. Ouais, j'ai commencé à faire des bâtiments pour... Non, putain. Pour faire baisser l'ordre public. Putain. Donc ça fonctionne avec au moins tous ceux avec qui on est alliés. Avec l'Égypte, putain, c'est la première fois que ça me fait. Ok. Ah bah c'est bon à savoir au moins. Les rebelles puniques là, ça dégage. Ouais, ça fait deux fois qu'ils fuient là. Non, en fait le truc je pense c'est tellement t'as filé de fric qu'au bout d'un moment t'as dit, tes diplomates ils ont dit bon vous nous avez tellement ralasse que... Oh, ah, je vois. Putain. Ah ouais. Bon. Voilà. Ah merci beaucoup Rhinoshield pour le follow, bienvenue sur ma chaîne. Ah mais c'est un bot. Rhinoshield. Ah non, tant pour moi. Le bot il s'appelle Swindripin. Tant pour moi. Ah mais tu sais, ça m'est déjà arrivé qu'il y a un bot carrément qui me suit pour mettre son message. Ah ouais, bah ça c'est ça arrive des fois. C'est pas déconnant. Comment vas-tu, cher ami?
Purée. Mais dis donc, t'es arrivé au bon moment. Il se passe une dinguerie quand même. Oh. Tu vas rendre au tir. Rendre tir aux abonnés. Non, c'est pas ça. Merde. C'est là où il y a la cagnotte là, de l'argent des abonnés. Là. Rends l'argent aux abonnés. C'est ça. Merde. Putain, quand même. Attends, ça va finir dans... Je fais pas beaucoup. Je fais rarement des shorts, hein, mais si j'y pense, ça finit en short, ça, par contre. Hein. Je pense que tu crois que tu peux le faire aussi. Mais, je... ouais. Mais c'est dingue, quand même. Alors là... En gros, pour expliquer le contexte, tu vois, bah, envoyer un diplomate chez moi, et habituellement, ça fait d'autres effets, que ce soit positif ou pas. Mais là, on sait pas trop comment, mais par la diplomatie, il a récupéré ma ville, que je lui ai donnée. C'est ça, en fait, ça existe dans le jeu pour récupérer les villes, mais ah, je savais pas que ça marchait en multijoueur. C'est une dinguerie, c'est génial. Enfin, c'est génial. Apprendre ça, je trouve ça génial. Bon, c'est plus chiant que ça arrive. Ça t'arrive à toi surtout, mais en vrai, c'est une dinguerie. Hein? Attends, je vais faire pareil à Carthage. On va essayer de leur piquer des trucs. Ah, heureusement que c'est pas Antioche que t'as récupéré. Non, par contre, je pense que ça peut. Bon, quoique c'est un vieux jeu, donc je sais pas. Mais je théorise que ça peut pas être une capitale, quand même. Et que ça peut pas être ta dernière province. Une armée pour piller, pour créer une rébellion, puis après j'irai faire la ville rebelle. Ouais, bah ça tu peux envoyer aussi si t'as un champion qui fasse le bazar, ça marche bien aussi. Okay. Et il faudra aussi que Chypre reste tranquille et vienne pas défendre. Mais ça, de toute façon, je crois qu'il manque de bouffe, Chypre. Il n'y a pas un délire du genre, ils sont en rate de bouffe depuis 50 tours, là. Ouais, si, c'est ça. On va envoyer une armée piller la région. Et là, ouais. Je peux pas recruter d'armée, malheureusement. Oh, même un général tout seul ou un truc comme ça, hein. Pire. Oh, purée. Ouais, même, je peux pas recruter de généraux. T'as la dinguerie. À la limite, là. La dinguerie. J'avoue que... Malgré que j'ai presque 900 heures de jeu, ça m'est jamais arrivé, ce genre de truc. Là, en duo, jamais arrivé non plus. Hein. Voilà, vache. Après, c'est la première fois que je joue en duo. C'est la deuxième, mais je t'avoue que... J'utilisais pas trop la mécanique, à l'époque. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une maigre compensation par rapport à la tête de ta princesse que j'ai coupée. C'est vrai, ça. J'avais oublié ça. Tu dis, bon, à l'époque, vous nous avez tué quelqu'un, puis on vous a envoyé de la thune, beaucoup de thune, un petit effort. Tiens. J'ai dit, bon, franchement, sur le papier, ça signe. Attends, c'est vrai qu'il y a eu ça. Partent près de ma ville en mode camp. Là. Ils veulent pas m'attaquer. Ah, ils vont peut-être finir par manquer de bouffe au bout d'un moment quand même. Oh. Ah bah non, ils sont chez toi donc. Non, mais peut-être que. Non, mon allié m'aiderait un minimum. Hein? Quoi? Moi? Non, je parle de. Pas de toi, pas de. Non, je parle de. Comment il s'appelle? De ma satrapie, plutôt. Ah, les Drangan? Oui, voilà. Ah, c'est ta satrapie. Ah, ouais. Ah, bah, ils vont bien finir par t'aider quand même, au bout d'un moment. Ils ont plein de troupes. Ah, mais que des petits trucs. Mais ça fait au moins 5 tours qu'ils branlent rien. Ils sont spectateurs, en fait. Ils ont inventé la télé avant l'heure, les saligous, quoi. Ouais. Parce que là, ils attendent qu'une chose, c'est que je les attaque. Ils sont en mode fort. C'est relou. Ouais, pour récupérer les pots cassés, ouais. Ah, il y a le pont Phasis avec l'Arménie. Ah, bon, je ne pas char de la peau des Cimmériens. Ah, mais le pont est à Phanagoria. Ils ont Phanagoria. D'accord. Hein? Ils ont plus de territoire que ça, en fait.
Phanagoria. C'est pas par là, ça? C'est la deuxième ville du Bosphore cimmérien. Eh oui, c'est là. Ah, ils se font pas mal, hein. Ils se font plaisir, les saligots. Dinguerie, putain, je reviens toujours pas, quoi. Le truc improbable. Du coup, il faut que je mette un élite dans une autre province que j'ai complètement. Je vais le mettre en Mésopotamie. Bah, ça va te faire perdre de la thune en plus, ça, c'est pas terrible. Ça te choque, là. Un peu. Oh la vache. Dès que j'aurai fini d'améliorer mes bâtiments, je t'enverrai un peu de thune. Parce que là. Voilà. Ah, en plus, l'ordre public est bon. Ah ouais, bah alors c'est normal, c'est parce que les bâtiments sont en train de se... Je suis en train de changer les bâtiments. Et ils devraient baisser d'ici, je dirais, 8 tours, ils devraient être déjà bien bas. Enfin, bien abaissés. Déjà, d'ici un tour, normalement, il va y avoir 6 d'ordre public en moins. Et je vais laisser se faire des bas quartiers. Là, je vais laisser faire 2 bas quartiers. C'est génial. La probabilité. Tu vois, comme quoi on a beau avoir 4000 heures de jeu sur un jeu. Pack de non-agression, toujours pas. Et là, tu m'as fait la même probabilité que le fait d'avoir 2 blackjack d'affilée. T'as eu 2 blackjack d'affilée? Ouais. Alors, pour ceux vache. Qui savent pas, c'est 4,7% de chance de probabilité d'avoir un blackjack naturel. Donc 4,2, tu dis? 4,7% de proba d'avoir un blackjack naturel, donc c'est-à-dire avec un as et... une tête forte, genre un roi, une dame, un valet. Donc tu pour avoir la probabilité, tu calcules, tu fais 4,7 fois 4,7, ça donne la probabilité. Ah, personnellement, je ne l'ai pas calculé, mais tu peux trouver sur Google, c'est 4,7% la proba d'avoir un blackjack. Cette façon-là. Donc la probabilité d'avoir un double blackjack, si je suis pas trop mauvais en statistique, est de 0,002%. Ah ouais? Bah normalement tu fais 4,7 pourcent multiplié par 4,7% si je me trompe pas. Ah d'accord. C'est des alors c'est des mode, cours de maths qui datent hein, mais ah, tu vas rigoler. Les sécessionnistes égyptiens, ils me proposent de devenir massatrapiste. Non, sérieux? Non, mais je savais même pas que c'était faisable, ça, tu vois. Ils sont tellement dans la merde. Ah bah là, ils existent plus. Hein. C'est pour ça que j'ai refusé, c'est pas vrai. Oh la vache. Ok, c'est tombé. Et ça a fait de la perte, mine de rien. Hein. Perdu pas mal de cavalerie. Ils étaient costauds hein, quand tu vois là, de l'éléphant, de la... Oh, putain, de la garde royale hellénique. Ah ouais, mais ils avaient la garlate royale. Oh les saligots, tiens. Bon, on m'occupe. Est-ce que ça reste à nous Pas la paix. Je ferais pas la paix contre Aria. La guerre. Tu veux que je t'envoie une troupe à Bam? Ouais, c'est où Bam ça? C'est ta ville la plus avancée au sud-est.